Ce système de stockage hermétique, c'est un système en fait qui consiste à stocker dans une atmosphère modifiée, donc qui est fermée complètement. Donc il n'y a pas d'air qui entre, il n'y a pas d'air qui sort. Ce qui signifie qu'à l'intérieur donc, de l'équipement, il y a les produits qui sont enfermés hermétiquement sans échange avec l'extérieur. Ainsi, les insectes ne peuvent pas vivre à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'oxygène. S'il y a même des insectes qui sont entrés ensemble avec les graines, ils vont mourir directement. Il n'y a pas moyen de survivre. Ainsi, on ne peut pas utiliser les produits chimiques à l'intérieur de ces équipements parce que ce n'est pas nécessaire. Quand vous mettez votre produit, ce n'est pas nécessaire d'utiliser les produits chimiques parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et puis, ce qu'il faut aussi contrôler, c'est chaque fois voir s'il y a l'oxygène qui entre. Ceci peut arriver si, par exemple, l'équipement est endommagé. C'est pourquoi, quand on utilise cet équipement, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas l'entrée de l'oxygène à l'intérieur. Ceci, on le fait en utilisant des appareils spécifiques, donc les oxygénomètres, qu'on doit utiliser chaque fois, voir s'il y a l'air qui entre, donc s'il y a échappatoire donc, de l'oxygène.